Bien, salut les enflammés, c'est Miss Flamme, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour un nouvel épisode sur Assassin's Creed 2. Donc, la dernière fois, nous avons eu le droit à un mini Hunger Game, si on peut le dire, organisé par justement un des lieutenants. Et du coup, on était aussi parti pour normalement tuer un autre. Sauf que celui-ci nous donne beaucoup de fil à retordre. Car à chaque fois, il faut pas se faire repérer en fait. Et c'est très compliqué de ne pas se faire repérer. Descends. Donc on va réessayer la technique de tout à l'heure. Cette fois-ci, va falloir éviter que Ezio aille tuer des gardes qui passent en dessous, par exemple. Hop, ça dégage. Donc on a eu une bonne chose de faite là déjà. Je sais pas s'ils vont bouger eux. Ils vont pas boire, hein. C'est bon, vous me voyez plus. C'est bon, il me voit plus. À peu près, c'était foiré. On va y arriver. C'est pas du tout s'il y a... C'est passé. J'ai cru qu'il prêchait la parole du Seigneur. Ces sermons ne sont que des mensonges. J'ai laissé mon troupeau s'égarer. Je crois que... Je voulais tellement y croire. Comme nous tous. Je suis ici dans un seul but. Je veux accomplir l'œuvre de mon père. Requiescat in pace. Et ben voilà! Bon, par contre, va falloir que je descende maintenant. J'étais sûre qu'on allait être désynchronisé. Bon, c'est pas grave. Si ça peut me ramener en bas, ça va. Ce sera pratique. Bon. Le suivant, c'est par ici. Donc normalement on va peut-être pouvoir finir aujourd'hui les lieutenants à tuer. Ça pourrait être une bonne chose de faite, comme ça on pourra s'attaquer à une autre partie de Assassin's Creed. Parce que là on fait que ça depuis quelques épisodes et c'est pas forcément intéressant on va dire. Mais bon, ça fait partie du jeu, on n'a pas le choix de le faire. Voyons voir. Ici, voilà. À qui nous allons avoir affaire cette fois? Un médecin. C'est pourtant simple, mes amis. Vous voulez être soigné? Dans ce cas, vous devez d'abord vous soumettre à notre nouveau souverain.
Assassiner le médecin sans vous faire repérer. Oh, celui-là encore aussi va être compliqué, je pense. Je sais que j'avais galéré, moi, à le faire. Où est-ce que vous allez, vous? Je vais vous suivre un moment, je pense. Dites pas qu'il va ils vont sortir. Non, c'est bon, en fait, ils font le tour de la cour. Et nous avons besoin d'être sauvés avant que Savonarola ne vienne à nous. Nous étions en proie au péché, gourmandise, luxure, orgueil, avarice. Dois-je continuer? Nous ne pensions qu'au bien matériel et au plaisir de la chair. Nous esquivions le regard du Seigneur. Et pour cause, nous avions trop honte de nos actes. Voilà pourquoi vous souffrez, pourquoi vous êtes en proie à la maladie. C'est le châtiment divin. Faut que je chope ces mecs-là. Faut que je les chope. Je me mélange à leur groupe. Si vous voulez guérir, si vous voulez être sauvé, il vous suffit de jurer fidélité à Savonarola. C'est la seule condition pour que je vous laisse entrer. Entre ces murs, vous recevrez les meilleurs soins prodigués dans toute Florence. Et gratuitement. Je suis un homme plein de... Normalement, c'est passé. Normalement, c'est passé. Tu as versé le sang d'un guérisseur. Non. J'ai versé le sang d'un tyran. J'ai cru avoir droit de vie et de mort sur mes semblables. J'ai cru pouvoir décider de qui passerait dans l'autre monde. Je crois que je me suis laissé endormir. Ton sommeil sera éternel. Je puis t'assurer que tu ne seras pas mort en vain. Requiescat in pace. Ouh! Fuis! Fuyons! Dedans, Ezio. Putain, il voulait pas aller dans la paille, c'est quoi ce délire? Tu vas le regretter. Putain, mais ils vont me lâcher la grappe, oui. Putain, mais ils vont être chiants. Vas-y, les semer, quoi. C'est la galère. Merde, plus vite, il s'échappe. Le voilà, vite, arrêtez-le. Il ne m'échappera pas. Oh, que si, je vais vous allez. Vous allez me perdre, c'est moi qui vous le dis. Yes! Et un dernier à tuer encore. Très bien. Bon, ça m'a fait... Oula, non. Pitié, c'est bon. Ça m'a fait m'éloigner de la du prochain, mais bon. On va aller quand même le faire.
Non, pas par là. Par ici. Alors, nous avons une page de codex ici. Je vais vite aller la récupérer, je pense. Bon, non, tant pis, j'irai la faire plus tard. Elle est un peu trop gardée à mon sens et on va éviter d'avoir un épisode trop long comme la dernière fois. On y est presque. Faut monter sur le toit, bien sûr. On arrive dans un quartier pauvre. Vos ordres sont donc de plus simples. Vous devez surveiller ces champs et faire en sorte que les bottes de foin demeurent intactes. Cette mission n'a rien de palpitant, je vous l'accorde, mais aussi ingrate soit-elle, elle n'en est pas moins vitale. Assassiner le paysan en évitant d'allaiter ses acolytes. Non, c'est bon. Nous leur ferons passer l'envie de résister. Ils n'auront d'autre choix que de se soumettre. Les intrus, je les tue, pas de sang. Essence, franchement. Il est là. Putain. Il est où l'ami le paysan là? Il est par là-bas. Putain! On va galérer sur celui-là aussi, je le sens bien. Alors. Mais bordel, je l'ai tué avant. Je crois qu'on va vraiment galérer. Hein. J'ai pas envie de vous laisser sur le fait qu'on ne l'ait pas tué et qu'on doit le faire encore pour la prochaine fois. Mais voilà, c'est assez agaçant. J'ai pas envie de mettre 3 ans pour un épisode. Il est où le paysan? Il bouge. Il va falloir vraiment que je trouve comment le tuer. Oh
La galère continue. Je vous avoue que je sais même plus comment je m'y étais pris quand je l'avais fait celui-là. Il est dans la boîte de foin là-bas. Allez hop. Viens là, mon coco. Viens là. Je vais te tuer, moi, tu vas voir. Il va pas passer assez près, vous allez voir. Il passe clairement pas assez près. Et je peux pas le tuer du coup. C'est très compliqué à tuer lui, hein, quand même. Je peux pas dire, mais il va être chiant. Vraiment chiant. Donc l'épisode va être encore très long, je pense. Je suis désolée. Ça, mais c'est qu'ils font un putain de grand tour en fait. C'est pour ça qu'à des moments je le vois s'éloigner et que je me demande où il va. Il faut être rapide. C'est passé. Tu as laissé ton peuple mourir de faim. Pourquoi? Je ne supportais plus leur insulte. Je ne pouvais plus tolérer leur affront et leur arrogance. Je voulais gagner leur respect. En tout cas, tu n'as pas gagné le mien. La mort est parfois douloureuse. Mais le sommeil éternel est paisible. Requiescat in pace. On a réussi à le tuer. Faut se casser. Cours, Etioko. C'est bon. Yes. Eh bien voilà une bonne chose de faite. Nous continuerons du coup la suite de ce qui se passera donc pour la prochaine fois. Donc j'espère que la vidéo vous a plu. N'hésitez pas à lâcher un like, un commentaire, à partager, ça me ferait super plaisir. Pour ceux qui sont intéressés, vous avez tous les liens qui se relient à ma chaîne dans tout ce qui est réseaux sociaux et autres en description. Donc n'hésitez pas à regarder.
Et pour ceux qui viennent de me découvrir sur cette vidéo, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne ainsi qu'à activer la cloche des notifications. Et sur ce, c'était Miss Flamme. Bye bye tout le monde!